وي سيدي دي تولين تي كيو 5 مازال لا غنصوحو سكودم غنوير ديال وي ذينا كاني قدرن تي ديالني نتفسو ثبكات نزوج ولا فويي ونطاس اللي دي اللي كاين نزرعها في غايا كانت وغا مازال نتكمل ندرد زون غوصن يون يون ثم نروح سيواضيين على عرش نفس الذين يون دي اللي كاين وكاين تواثقم تدهات الدم وحا وعمر هشيم سيني غير الدم وحا زول فلاك الزول الزول وكاين تشبه شنا كاين جري كاين تي في 5 الدم وحا ويفنى ضحكو دابور تاسي كي سنن مشى تاسو ثلاثة ماينو ثاكين ويفنى كتيسين ذا نواث الدم وحا الو الدم وحا اليوم بركازي كسر قريب 80 سنة ديال عمريش جوري بيانتو 80 طون ديش كيلك بوا كانت كوازيين مي لا نقول ذا مشطوح قرر لي بير بلور كواضيين جي في ان بو لو ميتي دو بيرجي شارج سيو و ميم زيا و سي فوالا من بعد ثلاث ايام تقدر هذيك كواضيين 56 16 سنة ديال عمري بني رومي لها الحبس اونتر بارونتيز دون فاسون بارادوكسال هو شكل الجزائر تشغل تهرب تدفع شي طرومي تشغل تهرب هذا كذا هذا الشيء وين هاكي مبدا ايتي براتيكمون تيرا فيفون زازي لو 26 نوفمبر 1956 هو شكل الجزائر تشغل تهرب ما كدنا غير تزوالا دونك سينار راح سيكي باسكو بور ان جون دو 16 17 طون كش كواش من 56 الى زون 3 الى ولات ولات 3 ولا شبيت ولا شطس لي زالتيرناتيف يافي دو زالتيرناتيف سوا تدور لانه من قريب جوهاز تيرما كان جاهز جو لي با باسكو يصرا كروش يصرا بروش ترو دو لا ديموكراسي لو جهاد تنتورا مصرا هذا شو نغاتوار تو ظلومي Il n'y avait pas plusieurs solutions. Ceux qui ont eu de la chance d'échapper à la mascarade de l'Irak contemporaine, c'est ceux qui se sont retrouvés en prison. Il faut que nous parce que Gerda Chiouli constitue la clientèle privilégiée du système colonialiste algérien. Si on veut, c'est ce que j'appelle Ksimé. Si tu veux, c'est les valets du régime algérien au niveau local. Voilà. Donc, on a un siège, même pour l'Algérie, après la France, en 1960, les années 60, qui me donne les études de nous pour obtenir un diplôme de technicien supérieur en bâtiment. Je me bats avec le monde de l'Algérie, je suis mort à l'Algérie, je suis mort à l'Algérie en 1966. Donc en 1966, j'ai occupé un poste au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. J'étais cadre dans ce ministère. Et puis, j'étais obligé de quitter Alger en 82 pour me retrouver en Kabylie. Après le coup de Zahir, j'aurais eu beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, bon, moi, je travaillais. Voilà, moi, je travaillais. Après ce qui s'est produit le voilà, durant 80, etc., j'ai failli encore une fois me retrouver en prison, mais c'est une petite anecdote qui n'a rien du tout que je vais raconter. Hein. Parce que j'étais directeur d'une boîte, j'ai construit un musée berbère à Imatka, au sein du centre d'apprentissage de Imatka. Et le wali de l'époque de Tizi Ouzou, Sidi Saïd Hamid, m'a convoqué en me disant que le Bagdad de Skrd soit le Mouz Lokbaï, entre guillemets. Hein. Et en 85, donc j'ai perdu mon emploi, j'ai failli me retrouver en prison, on m'a confisqué mon passeport pendant 5 ans, 85-90, et maintenant, à l'ouverture politique, j'avais choisi de militer dans le RCD. Bien que je n'étais pas tout à fait d'accord pour la participation aux élections. Donc,
Il était évident que de même que je me également le match à sa création. Voilà en gros un ouvrier communément. Et tu n'as pas de mouha en 63. Comment tu as vécu la rébellion et la FF en 63? Je ne l'ai pas vécu en Kabylie, je l'ai vécu en France. D'accord. Et comme j'étais jeune, je ne tirais pas de conclusion. J'étais pour le FFS, mais je ne savais pas ce que c'est. J'étais trop jeune pour comprendre les enjeux de l'époque. D'accord. Ça, c'est 23 ans de l'Amérique, très jeune et qui devenait. Non, Donc, je ne comprends pas. à Katwalem, des voitures, il va me dire d'un mois, attendre d'y avoir, et que ça a un thermite, mon corps, des certitudes, et je cours, qui est dit, à sa façon, il a dit, il roule en Algérien, en France, d'Aaron, il a dit, en 63, en Sembaïd, en France, il était sympathisant du FFS, et lui, Répondre en une phrase et aussi que Rachid manifestent les mains vides. Dans toutes les manifestations du monde, c'est les pavures. Mais surtout la date du 26 avril 2001, il y a eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, nous avons eu 4 morts. Le plus jeune d'entre eux, c'est Snor Boujma, un collégien, il avait 16 ans. Maram, il devait avoir dans les 24 ans. Samir, dans les 20 ans à peu près. Khorsi, Hamza, c'est la même chose. Donc, à travers toute la Kabylie, c'était la journée sanglante en quelque sorte. Il n'y a pas de voix. Il a dit qu'elle pour orienter la situation, pour appeler à la rediffusion de son, etc., etc. Les partis, notamment celui dans lequel je militais, sont des partis d'essence démocratique, ça se voit le RCD dans le FFS. Mais il y a un paradoxe chez eux. Ils prétendent être d'envergure nationale, alors qu'ils ne sont qu'un ancrage kabyle. Ils n'ont de vie électorale que des kabyles. Ils n'ont de militants que des kabyles. Et paradoxalement, ils ne pouvaient rien faire sauf assister dans ces assemblées d'élus. Moi, je considère qu'ils donnent un coup de main au régime avec leur présence dans ces assemblées. C'est eux qui lui donnent une espèce de légitimité à l'échelle internationale par leur présence, donc ils lui sont sa façade démocratique en quelque sorte. Alors voilà, puis je me suis souvenu d'un événement qui s'est produit chez nous, aujourd'hui, en 1994. Ce qui est appelé communément terroriste en Algérie sont venus chez Arouche-Boubagour en 2014, Saranay-Lillane. Ni la mairie ni Wari, qui étaient les perdants, c'est les citoyens, je veux dire, notamment les jeunes, ces transports pour aller dans les écoles, quoi. Et la gendarmerie et la mairie sont pratiquement mitoyens, ils sont l'un à côté de l'autre.
سي با لو واسع 100 متر وقيله جلسه. بروح نغرسناه نرقم الشطاره il n'avait pas d'arme pour tirer sur eux. Je dis, il n'avait pas d'arme entre guillemets. Pour moi, c'est très simple. Je ne passe pas par dans ce chemin. Et quand il s'est agi de nos jeunes, c'est des manifestants à main vide, et ils ont su utiliser leurs armes, à savoir des armes de guerre, des Kalachnikovs et des Siménov, et partent sur le marché avec des balles explosives. دونك اللي راه سيوليم في المول شي شمالي من لانبي انا واي كشمن ماشي كوم سلاك جو ميتي بيرمي دالي بور دكتور نصاح كي اكزارسي شو جوا ديكا نونسيان ميليتون داك لي مولان الشام دي لو اف اف اس اللي راه سيدير سي مشي يدير انا سو دي مودل تقرا كل شو غادي نتقرا دونك il y a eu aussi des appels à droite et à gauche. Et c'est comme cela que nous avons, j'ai le papier ici, mais je ne me souviens pas bien de la date, c'est au mois de juin, que nous avons tenu des assemblées générales à Guilguardien, par quartier et village, et on a constitué notre coordination. Pourquoi? Parce qu'il fallait quand même orienter ces jeunes, essayer d'arrêter les effusions de sang et donner un sens politique à ce soulèvement. Donc, ce qui m'a le plus touché également, c'est que lors de la grande marche qui a été provoquée par des coordinations déjà existantes, notamment de Ouayam, de Genève, il y a eu une grande marche à Tijoujou le 22 mai, et les organisateurs nous appelaient par micro, chacun doit marcher derrière sa coordination. Comme à l'époque, le 22 mai 2001, la coordination n'existait pas encore. Donc, j'ai choisi de marcher derrière la coordination de la Mouvadou, elle qui existait déjà. Et nous, nous nous sommes constitués vers le mois de juin 2001. Alors, maintenant, les causes de ce grand soulèvement, qui est paradoxalement une partie d'entre nous voulait lui donner un quartier national, alors qu'il n'était que Kabyle. La cause principale, la cause apparente, c'est l'agression de la Kabylie par la gendarmerie algérienne. L'agression qui a engendré la mort d'un jeune lycéen du nom de Mahma Sinisel Kerdouaria et l'agression des collégiens d'Amizour dans le département de Fgaïf. C'était pratiquement au même moment, au mois d'avril 2001. Germa a été, disons, assassiné à l'intérieur de la brigade d'Ouala le 18 avril. Il a rendu l'homme le 20 avril à l'hôpital d'Alger, Mustapha. Et les collégiens, c'était à la même époque, les collégiens de Mizour. Donc, encore une fois, la Kabylie venait de subir une agression par des gendarmes algériens qui, entre guillemets, dont la mission devait être la protection des citoyens. Et eux, ils ont agressé, ils ont tué pratiquement 128 jeunes qui manifestaient sans armes, quoi. Donc, voilà ce qui m'a poussé à aller dans ce mouvement, en gros. ثم الدمو تنحكي بدا بابغي غروسو مودو متي كيف تشمض سامو سويا كير دونك دموسو عطاس لي كونغلا فيديو سان عطاس جمويا عطاس هكا اي بدايو التالي تندار تنفرقهم تفضام ما تروحو ما تمشيو غا ثنو دابو غا تزيرين غالا ويوفنا تحكو ذا شو تبغوليني كيما امبيان كتشينيا تدير ياوي كادي فانا تمشيو غا او كادو نفغيا غا تمشيو غا اي واشو Non, mais qui dire de Wigan du Wen choix que nous avons fait. Pour la simple et bonne raison, choix est de la tradition de sens. Et M. Aurat, il y a un mécanisme franciste, le dialogue est une vertu démocratique. Et tous les conflits se terminent autour d'une table. مي دان لادفيرسير هذاك اللي قلنا ليه بشكل اخر ايش بار بيش ما نشبع اور نكوني يوم ما كي كي دنا 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 كي د
chaque localité de la plateforme. Il faudrait peut-être revenir être sûr pendant quelques secondes, quelques minutes pour réchauffer Maliche. pour expliciter un petit inbond à la plateforme Luxor le 14 juin, parce que ce sont de grands événements. Exactement, Monsieur, rahatkom. mais l'on ne fait pas le dialogue. Le OK. dialogue entre guillemets. Donc, chaque coordination, ça fait de la plateforme. Nous avons été constitués en juin 2001. Nous avons la constitution de la plateforme dans laquelle la coordination ivoirienne, dont j'étais vice-président. Le président, c'était quelqu'un d'autre, il n'est plus de ce monde, qu'il repose en paix. On a mis pratiquement toute une nuit pour préparer cette plateforme. C'était des plateformes qui seront assemblées toutes. Hein. Etc. Donc, la date historique, c'est le conclave qui s'est tenu le 8 juin 2001 à Tishrachet. C'est là que la décision a été prise pour mettre en place cette plateforme de 15 points, parce que demeurant, elle était de 17 points. Nous avions jugé que les deux autres points étaient contenus à l'intérieur des 15. J'ai ici la plateforme, si tu veux, je peux te la montrer. Donc, nous avons 15 points. Et on a eu pris la décision également d'envoyer une délégation qui devait siéger l'Irksar le 11 juin pour son approbation, de façon à ce que toute la Kabylie soit présente. Le choix d'Irksar est stratégique. Pourquoi? Parce que il est proche des autres régions de Kabylie, du côté de la Soummam, et un autre événement dont on parle rarement, c'est la fameuse marche historique du 14 juin, dont la décision a été prise le jour même, le 8 juin 2001, à Tijarachi. Donc, nous avons décidé d'envoyer une délégation à El-Qassar, qui siège le 11 juin. C'est pour ça que la plateforme porte le nom d'El-Qassar, qui a siégé la maison de la culture portant le nom de Mouroud Tharaoun, un natif de Dive, un enseignant qui a été assassiné par la horde de l'OAS le 15 mars 1962 à Alger. Donc, il y avait un événement important qui s'est déroulé ce jour-là. C'est une marche qui a été organisée par les citoyens d'Amizour, qui ont regagné Alger à pied. Ils ont démarré le 11 juin pour arriver à Alger le 14. Ils ont fait le trajet en trois étapes. Donc, je profite de l'occasion pour saluer ceux qui sont encore de ce monde parmi ces marchands. Je suppose qu'ils sont beaucoup de ce monde, puisque c'est des jeunes. Il n'y avait qu'un vieux parmi eux. Alors, on commence en trois étapes. À mi-jour, Yacouren, Tizouzou, Tizouzouanji. C'est quand même important, il marche de plus de 350 km. Donc, revenons à cette journée historique du 14 juin. La date n'était pas fortuite, mais ce n'était pas connu malheureusement. Parce que c'était un petit peu les coulisses qui avaient rendu possible la décision. Nous avons choisi cette date. D'abord, l'objectif de faire cette marche à Alger, c'est une démonstration de force. Et remettre, entre guillemets, cette fameuse plateforme de l'Aqsar à la présidente de la République qui est anciennement appelée la Roue d'Oudj, je ne connais pas son nom en arabe maintenant. Donc, et comme notre mouvement était horizontal, on ne voulait pas avoir de tête, etc., mais rien n'empêche, nous étions organisés, on avait décidé que la plateforme devait être remise par un collégien d'Amizour, un lycéen de Tizouzou, accompagné par le plus âgé d'entre nous. Ce n'était pas moi le plus âgé à l'époque, donc je ne pourrais pas être concerné. Voilà comment on est parti de ce principe pour remettre cette plateforme à la présidence à Alger. En sachant que
Au moment où on allait, au moment où il y a eu cette tuerie du mois d'avril, le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, au lieu de s'occuper du feu qu'il couvait dans la maison qu'on appelait à l'époque Algérie, d'ailleurs maintenant, sauf que moi, pour moi, la Kabylie, l'Algérie, ça fait. Lui, il s'est permis d'aller s'occuper d'une conférence sur le sida au Burkina Faso, pour voir yani, quels sont les comment dirais-je, القمة اللي تسكن اللي تمر القبائل وقاعدين غير استعمرنا النوفو كان رومي دونك انا في ديسيدي كو سيت مارش ديبيتري على فور دالجي دونك سيت شي رايون دو 20 كيلومتر بوركو على فور دالجي بيان باسكو بوتفليقه لا في اوفيرت لا في لو 13 دون نو بتيت تيت نو نيتيون با نومبرو بور نو il fallait faire une démonstration de force fermée cette fois. Pour qu'à l'échelle internationale, ils comprendraient qu'il y a quand même en Algérie un peuple qui refuse cette dictature théocratique, non militaire. Malheureusement, quand on est arrivé au champ de manœuvre, le 1er mai, nous avons dit non, un grand cordon des services de sécurité algérienne, des CRS. Là, je te raconte quelque chose qui n'est pas connu encore, hein. Puisque j'étais présent. Il y a une dame habillée à l'européenne. Par la suite, avec le recul, je pense que c'est une dame qui fait partie des services du DRS, du Général Toufik. Cette dame, elle s'appelait Madame Yahyaoui, entre guillemets, c'est elle qui nous a dit qu'elle s'appelait comme ça. Mais bon, elle était habillée à l'européenne. Elle avait un portable de course au champ de manœuvre. Nous connaissons les CRS, nous ont empêchés de continuer la marche. Ça veut dire, bon, qu'est-ce que ce mouvement, il s'est mis au rail? Est-ce que ce mouvement a des responsables, des représentants, pardon. On n'a pas voulu lui répondre puisqu'on a pris la décision de ne pas y avoir de responsable. C'est un mouvement horizontal. Hélas, un délégué national du nom de Hassan, je ne me souviens plus de son nom, il s'est permis de lui répondre, Hélas, oui, le mot, moi, il ça, les représentants. Mais ça, on dit, voilà, il y a le président Bouteflika qui veut parler avec vous. Ce qui est ce téléphone, entre guillemets, il a parlé avec Bouteflika en arabe. Moi, je suppose que ce n'était pas Bouteflika, je suppose que ça doit être un officier de la sécurité militaire. شوش يقول لنا حسن الدين جنرال زكي شوش دينا بوتفليقة وقال قرر السيد الرئيس استغرب خلينا نجوجو وقلنا ناس جو في دوني دي انستركسيون بور كون فو ليس باسي ابل ليزون راكروشي il redonne le téléphone à madame, à la fameuse madame Yahyaoui, qu'on a commencé à nous tirer dessus. Et c'était comme cela que le ministre de l'Intérieur de l'époque, le sinistre Zerahouni, je suppose qu'il vit actuellement au Canada, si ce n'est pas à Paris. Parce que tous les ministres algériens, dès qu'ils quittent leur fonction, ils sont à Montréal, ils sont à New York, ils sont à Paris. La grande majorité d'entre eux, ils sont à Paris. Et paradoxalement, ils nous accusent de Hulme France. Donc le sinistre Zerahouni, le ministre de l'Intérieur, avait fait sortir des prisonniers d'El Harrach, en les amnistiant avec condition de casser du Kabila. Voilà comment ça s'est passé la journée du 14 et l'adoption de la plateforme Al-Aqsar. Et ceux qui ont participé à la fameuse marche du 14 ont toujours 300 km à pied. Le 11 juin, la plateforme Al-Aqsar, Tohmis à Alger, 14 juin, et 14 juin, au final, Alors, quand on est revenu d'Alger, il y a eu beaucoup d'absents, parce que beaucoup sont retrouvés en prison, beaucoup d'arrestations. Il y a eu des morts également, des blessés. Il y a eu 6 morts exactement ce jour-là, dont un jeune de Guinée Wassif qui est enterré à Mtouha du nom de Toufik Naaman.
En acier, j'ai le lendemain 4 piacines d'Izioujou, le théâtre 4 piacines qui a été mis à notre disposition par le maire d'Izioujou de l'époque. Je suppose que ça doit être la maire FFS. Pour que nous puissions faire le point de ce qui s'est passé le 14, et on a constaté les dégâts, à savoir que nous n'avons pas réussi à déposer la plateforme à la présidence, puisque nous avons été empêchés physiquement. Il y a eu des émeutes en plein centre d'Alger. Les nôtres aussi ont riposté, il faut appeler les choses par leur nom. Et d'accord, quand une anecdote derrière la femme, je te tiens, on l'a raqué ce qu'elle أكو طالكي والكي نصر جبنا رجال من الخبيت نكوني هنا يو سيرتان بارمينو كي أبلي تو كالم مي أون بو با أبلي أو كالم كونت أون بوز أغريس سي فو كونت أون بوز أغريس تو تالحظ أبار تو ريبوست دونك إلي يو بوكو دو ديجا بوكو دو بليسي une affaire de 120, en fait de 120 disparus. Donc, on s'est réunis le lendemain pour faire le point et mettre en place une commission de suivi de ces disparus, etc., etc. On n'a pas laissé tomber, si tu veux, on avait donc poursuivi le combat à partir de là. Les réunions qu'on faisait, que l'on appelait communément, entre guillemets, conclave, c'était pas le mot conclave, ne, mais check, mais un conclave, c'est un petit peu la désignation du pape, on est enfermé, etc. C'est tout un protocole. Nous connaissons, mais quand même, il y a les conclaves, tiens, bon. C'est ça. Mais c'était très instructif, c'était des agora où il y a eu des débats, que je suppose même de la peine algérienne, ces débats n'existaient pas. Il y a eu des débats assez profonds, assez instructifs. C'était très important pour nous, les futurs militants de la cabine, ces débats. C'est une école, une Si tu veux, formation. en d'autres, c'était une grande école, une grande formation, oui. Parce que parmi nous, il y avait des politisés, il y en avait d'autres, puis nous étions de diverses origines. C'était un mouvement transpartisan, pardon. Il faudrait peut-être rappeler quelque chose de très important. C'est la composante des délégués, l'Arache, la grande majorité, avant que Aït Hamed ne décide de rejoindre le pouvoir par ces élections, je pèse mes mots, hein, avant qu'il décide de rejoindre le pouvoir par sa participation aux élections du 10 octobre 2002. J'assume mes dires, c'est Aït Hamed qui nous a donné un coup de poignard dans le dos, comme il en a malheureusement l'habitude en cabine. Je sais que je vais choquer certains, mais j'assume mes dires. J'ai ici un document, entre parenthèses, parce que je saute un peu de l'ordre du jour. Je peux te l'envoyer si tu veux. D'accord. J'ai ici un document qu'il a écrit au journal Le Monde en 63, que j'ai lu à Paris, mais à l'époque je ne comprenais pas. Oui, il disait, s'il était dans le maquis de cabine, bien sûr. Et bien, Krim Belkacem n'est pas habilité à représenter l'UFAP sur la scène internationale. En d'autres termes, il ne voulait pas de compétences. Donc, ses objectifs étaient autres que ceux des Kabyles qui combattaient. Voilà, je ferme cette parenthèse pour revenir au conclave. Donc, le groupe des délégués, c'était des militants ou des sympathisants du FFS. Suivi des militants et sympathisants du RCD, suivi de la gauche kabyle, toutes tendances confondues. Je te parle de contingentement, hein, c'est-à-dire sur le plan de nombre. Il y avait le FFS, le RCD, la gauche kabyle, le Mkhadrès, nous étions une goutte d'eau dans l'océan. Une goutte d'eau dans l'océan. Voilà à peu près la composante à l'époque. Mais toute la Kabylie était derrière nous. Malheureusement, nous avons été bien infiltrés par la sécurité militaire algérienne. Elle s'est travaillée, il faut lui tirer le chapeau. Elle a été à l'école de Machiavel.
Et c'est comme ça qu'il fait, c'est son job. Tous les Adamo, mouvements, il les infiltre pour les casser. c'est pour ça peut-être qu'Ahmed Hamed il a hérité la range de Moukhabarat, les services. Oh ben écoute, j'ai des documents concernant la vie. Moi, il nous a comparé même à un monstre qui est évoluant dans un lac, ça doit être en Amérique du Sud. Bon, de toutes les façons, il n'était pas à sa première en 2002. Je ne sais pas comment t'expliquer. Moi, à sa mort, je n'ai pas été à son enterrement. Quand il est revenu en 89, je m'étais permis de lui écrire une lettre pour lui dire que je ne viendrai pas l'accueillir à l'aéroport. Mais je voulais lui poser une question par écrit. Dans quelle catégorie devront nous classer les 489 morts de 1963-65? Est-ce que dans la catégorie des martyrs à la nation algérienne, donc on doit trouver leur nom sur les monuments érigés à cet effet en Kabylie, ou bien si c'est dans la liste des harkis, on réclamera à la France le droit? Il ne m'a jamais répondu, malheureusement. مي ادمو مون بون بون كيني هنا ميدنا باللي اي تحمد الى تريتي لارونج المخابرات سي باسكو شيني سنت باللي اون ايتي انفكتي بار لي سيرفيس Ben شمن oui. دي لارونج فانكو نكا Ben oui, sans ça, il n'y aurait pas eu le fameux dialogue qui a détruit le mouvement. d'accord. Parce que la cause de la destruction du mouvement, c'est ce fameux dialogue. Initié par le sieur Ahmed Yahya qui est actuellement Il finit mal ses charge du jours. lien. Il finit mal ses jours. Hein? Il finit mal ses jours. Écoute, Rachid, j'ai ici un document, je ne sais pas si je pourrais, si on a le temps que je te le montre en arrière. En 2002, le colonel Larache en fonctionnait par présidence tournante. Donc, la présidence tournante, c'est elle qui assure la permanence à Katbi, c'est la Tizouz. Jusqu'au jour où ce siège a été balayé par la police algérienne le 25 mars 2002. Donc, 2002, aux environs du 2002, mois de pourquoi? mars. 25 mars 2002. Oui. Ah, ok. C'est le 25 mars, c'est les aides dans la police qui me lèvent. Ils questionnent leur demande pour m'arrêter, etc. On porte l'affaire, monsieur. C'est long à expliquer. Il faudrait une thèse. Il faudrait un livre. Donc, il était ministre de la justice algérienne. Et à partir de Constantine, il a fait un truc dans le journal où il nous a accusés de preneurs d'otages. Un groupe d'individus se prénommant délégués ont pris la Kabylie en otage. Je me souviens de cette phrase. C'est Ouyhia qui l'a dit, Ouyhia. Alors, oui, en 2002. Et moi, j'ai ici une liste de 300 personnes qui m'ont signé parce que j'avais été délégué au Wallah, notamment j'avais refusé. J'ai encore les signatures, 300 et quelques signatures. Je les ai pour l'histoire. Donc, revenons sur Yahya. À partir de Constantine, il nous a dit que vous êtes des preneurs d'otages. On a pris la Kabylie en otage. Et il a fallu lui répondre, parce que finalement, on dialoguait le coup de pouvoir, on dialoguait par la presse interposée. On s'en sa presse, sa télévision, etc. Les déclarations que les journaux qui le couvraient, quoi. Donc, c'était à nous, en quelque sorte à moi, si on veut, avec mes compagnons, de lui répondre. Eh bien, Rachid, voilà ce qu'on lui a dit. Je ne dirais pas ce que je vais dire ce qu'on lui a dit. J'ouvre les guillemets. Le Saint-Bernard du système a aboyé à partir de Constantin. Le Saint-Bernard du système a aboyé à partir de Constantin. Et puis, on a développé avec les quelques phrases. Et on lui a dit. Qu'un jour, ton maître t'accusera de rage.
On lui a dit ça en 2002. Ben, il vient d'être accusé d'avage. Je suis désolé pour lui et pour sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez divisé, il y a dialoguiste, non dialoguiste. Un petit délai au chèque. Il y a eu des décisions qui ont été prises hâtivement, sans réfléchir. C'était de l'amateurisme, parce que les mouvements horizontaux acquièrent à l'UITSE. Par exemple, je vais citer trois cas. Le départ des gendarmes. Moi, j'étais un petit peu pas tout à fait d'accord pour la rédaction du chapitre. Parce que annoncer le départ des gendarmes, point, c'est un piège. Il aurait fallu dire que ce corps doit quitter la Kabylie. Alors, je me dis, oui, je vais les compagnons de conclave, certains me disaient, une grand-mère Tsegouadan, oh, t'es vieux, tu es un peureux. Certains me disaient, oui, que ça va mener, vraiment, ça va comme ça. Parce que j'étais déjà dans le manque à l'époque. Donc, c'est un piège, c'est un petit peu la discorde. Parce qu'au moment où le dialogue s'est posé, cette question est revenue sur le tapis. Si tu veux, c'est un petit peu le début de la discorde. Il aurait fallu être honnête et dur et dire à de toute l'Algérie, à ce moment-là, il fallait être courageux. Et faire du mouvement, un mouvement national, il y a un patriarche, Sirène, Arouhan, etc. Chose qu'on ne pouvait pas faire, c'est faux. Mais on va assumer des lignes, il y aura qu'un système. Bon, je ne te parlerai pas de ce qui s'est produit après, parce que ce qui s'est produit entre moi et la gendarmerie le 22 mars, etc. Parce que après, je le redis, j'ai dit, celui qui remettra les papiers aux gendarmes, on ferait un kitsch. Ça s'est produit, malheureusement. Bon, donc il y a ce problème de gendarmes. Ensuite, il y a le problème des élections. Et on a décidé de ne pas voter. C'est une très bonne chose, c'est une excellente idée. Mais il aurait fallu aussi dire que la Kabylie, désormais, ne participera plus aux élections. Elle rejettera tout processus électoral. Ou bien, il faut aller voir les régions arabophones et leur dire de voter malin. Mais ça serait une provocation de notre part. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui allait dire à un oranien que j'adore ta kbaïs. Je suis désolé, je suis arabe, j'adore ta kbaïs. Je refuse de ce qui me dit, j'adore ta arabe. Je trouve à vous, j'adore ta arabe, j'adore ta kbaïs, etc. Je n'ai pas imposé ma cabilité à un oranien constantinois. Voilà, en gros, Arachid. Le troisième point, c'est lorsque la décision a été prise de rendre cette plateforme scellée et non négociable. Voilà en gros les trois points qui constituaient la discorde dès le départ. Peut-être au début ce n'était pas apparent, mais à la longue il apparaîtrait, il disapparaîtrait. On ne peut pas rendre un document scellé et non négociable. Ce n'est pas un document relevant d'une idéologie. Comment on appelle ça? Enfin, d'une religion, si tu veux, bien que je ne crois pas beaucoup en religion. Donc, c'était une grande erreur de notre part de ne pas donner de consistance à ces deux premiers points, le départ de la gendarmerie de la Kabylie. Ça n'a pas été dit comme ça. Le rejet des élections non plus, ça n'a pas été confirmé tel que ça devait l'être. En plus, dans un conclave, je suis désolé, je n'étais pas présent. Autrement, j'aurais eu mon mot à dire. Et ils ont pris la décision, ceux qui étaient présents, que la plateforme est scellée non négociable. Donc, voilà les trois grandes erreurs qui étaient à l'origine, si tu veux, de la discorde. Et par la suite, il y a eu, si tu veux, ce dialogue qui est arrivé. Là, si tu me poses la question, Non, Chine, non, en non, pied de non, voir. écoute, je laisse le dialogue, justement. C'est ça le prochain point, le dialogue. Comment ça s'est passé? Alors, le dialogue. Le dialogue, pour moi,
Il relevait deux aspects. Il y a l'aspect apparent, il y a l'aspect, il y a son apparence et sa réalité. Apparent et réel, apparent et réel, ouais. Le dialogue qui a eu lieu entre une partie des délégués du mouvement citoyen d'Arrache et le pouvoir représenté par Hamdou Yahia, il a son apparence, il a sa réalité. Alors, la réalité, je n'ai pas de preuve entre les mains, je n'ai pas d'éléments palpables. C'est tout ce que, uniquement ce qui nous a été raconté. Donc, je ne sais pas si c'est valable de ma part de prononcer tout cela. Il y a l'apparence, c'est comment ça se déroule. Même dans l'apparence, il y a des choses qui sont cachées. Il faudrait les rendre publiques. Alors, si tu permets, je commencerai par l'apparence. La réalité, en deux mots, pour se débarrasser de ce point, c'est Toufik, celui qui est actuellement en prison, un cabinet de service comme Ouihia. Enfin, moi je préfère un cabinet de service qui est un traître de cabinet. Hein. Un cabinet de service, il va le croire. Il a réussi par l'intermédiaire de certains de ses officiers, à ramener dans sa villa à Hydra quelques délégués, je ne dirais pas le nombre. Qui, même actuellement, mais je vais vous dire que c'est une occupation. Et il y a un certain nombre de la plateforme de Chouakbe. Mais deux points. La libération du journaliste, du français, le directeur du journal Le Matin, Ben Chikou. C'est un problème de justice, ni un dialogue. Il y a cette question comme ça, c'est une langue nationale et officielle. Il y a cette question qui est un sujet des autres populations. Et lorsqu'ils sont revenus l'après-midi, ils ont commencé à prendre un café, c'est là qu'Yahya fait son rentrée dans le salon de Toufik, à Hidra. Il donne la plateforme à Hamdou Yahia, il lui dit, applique-la. Et c'est comme cela que Hamdou Yahia fait son fameux discours du 22 mai devant la PN pour appeler Ahmadine Slaharach à aller dialoguer, etc. etc. J'ai le document avec lui devant mes yeux. Donc, d'un bouchard pour leur préparer une légitimité d'en haut. Voilà comment ça s'est passé. Je ne citerai pas les noms de ces personnes, quand on sait les preuves. Si j'avais des preuves, je les citerais aisément. Mais malheureusement, je n'ai aucune preuve palpable. Ce n'est uniquement des enquêtes que nous avions fait venir en tant que non-dialoguistes. Donc, revenons, si tu permets, à l'aspect apparent de ce dialogue. Hamdi Yahya fait son discours le 22 mai, si ma mémoire est bonne, le 22 mai 2003, devant les députés, entre guillemets, députés algériens de la PN, de l'Assemblée algérienne. Il a fait son discours, j'ai le discours d'un garage, il est là, je peux te, si tu veux, je peux t'envoyer ce document carré. Et quand il a entamé son discours, les députés islamistes ont commencé à taper sur leur pupitre pour l'empêcher de continuer à parler. Et il leur a dit, soit on dialogue avec les délégués actuels, mais on finira par dialoguer avec le match. Avec le Voilà ce match. qu'il leur a dit. Avec le match. Oui. Je suis rassemblé Et ce n'est qu'il est. soin. Je suis rassemblé Hein? ce qu'il est de moi. Je suis rassemblé ce qu'il est de Eh Dina. Le Parlement. Je suis bien, rassemblé. tant mieux.
Tant mieux. Donc, c'est un agit, tant mieux pour moi. Il n'y a ce que le manadra que les délégués, il a arraché l'un qui maintient encore leur algérianité, etc., etc. Mais reste qu'il y a un manadra que le match. Voilà, à peu près. Et nous connaissons une rencontre, un concours à Sosga. Je suis allé une journée, non, mais 2 jours après. On s'est réunis dans l'ancienne église de la ville d'Azazga, aux environs de la fin du mois de mai. Et on a conclu par une déclaration dans laquelle on disait, oui, le dialogue est une vertu, il faudra dialoguer, il faudra discuter. Mais il y a des conditions. La première condition, que les prisonniers reviennent leur liberté. Ce n'était pas tombé dans les oreilles d'un chou. Nous étions entre le 22 et le 25 mai 2003, entre le 11, l'anniversaire de la plateforme, et le 1er juin, tous les délégués aux prisonniers étaient libérés. Tous. Ce n'était pas là notre réserve quant au dialogue n'était pas tombée dans les oreilles d'un chou. Effectivement, c'était. Ils ne pouvaient pas, les passants en justice, il n'y a aucun dossier entre leurs mains. Donc c'était en quelque sorte une carte à jouer, c'était un chantage qu'ils nous faisaient avec ces prisonniers. Le chantage à Khadim. Et quand ils ont été libérés, nous connaissons en fonction d'une façon horizontale. Donc là, il y a trois coordinations qui gèrent le mouvement. Ce qu'on appelle la coordination en exercice, c'est elle qui préside, c'est elle qui a le droit de communiquer, etc. La coordination entrante et la coordination sortante. Donc il y a toujours trois coordinations qui siègent pour présider les débats. Et la coordination en exercice, c'est elle qui appelle à l'encontre du conclave, c'est elle qui trouve le siège, l'endroit, en cas d'urgence, etc., etc. S'il y a un communiqué à faire, c'est à elle de le faire. La durée de cette présidence tournante est d'un mois. C'est bien précisé. J'ai ici l'espèce de règlement intérieur que nous avons élaboré dès le début du mouvement, qu'on appela le code de l'honneur. Et les principes directeurs du mouvement, ce sont deux documents sur lesquels le mouvement devait fonctionner. Donc, on a appelé un conclave interwilaya qui s'est déroulé du Mchidjaïen, le département de Touveret, l'ancien Mayou. Et dès la rencontre, on avait compris que certains délégués qui venaient de sortir de prison, notamment Villers-la-Brillard, vraiment le dialogue sans rien du tout. Ça a commencé par proposer à ce que les conditions Les pour incidences, les incidences. les conditions ou les incidences. Et nous étions quelques délégués à s'élever contre, mais malheureusement, notre voix ne portait pas, nous étions minoritaires. Je me souviens, j'étais l'un des porte-parole de la Ouellette Ouzou, avec mes amis, en fait, une concertation. Les délégués de dialogue dans la concertation à Sénat. Et on a conclu à ceci. Mais on ne peut pas dialoguer avec le pouvoir algérien, notamment son premier ministre, Ahmed Yahya, sur la base de son appel. Or, la plateforme Al-Aqsar est un projet de société qui nécessite des négociations. Ces négociations devaient impérativement aboutir à la révision de la constitution algérienne. L'homme qui peut appeler à la révision de cette constitution n'est autre que le président de la République algérienne, en l'occurrence Abdelaziz Bouteflika. Donc, il appartenait de nous faire appel. Or,
Au début du mouvement, en 2001, quand j'ai arrêté un problème du bac, on a envoyé une délégation qui a rencontré le premier ministre de l'époque, Ali Benflis. Ali Benflis avait dit, je ne dis pas aurait dit, je dis il avait dit, en nous représentant, que la décision de reprendre la session du bac à l'échelle d'Algérie n'était pas de son ressort. Mais ça vient à Djabaye Arbaye, un seul point. Où si je mets le Premier ministre, les 14 points qui sont un projet de société, je me récite. C'est au président de répondre. Bon, on a fini par faire une déclaration allant dans ce sens. On a réussi quand même à imposer un petit peu nos vues. Et ce n'était pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Abdelaziz Bouteflika nous a répondu par un discours datant du 20 août 2003 à partir de Sétif. Donc, pour les auditeurs qui nous entendent, ils vont comprendre que le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, n'avait aucune volonté de mettre un terme à ce problème posé par la Kabylie. Pour la deuxième fois, il refusait de nous reconnaître algériens. Implicitement, le 14 juin, il a mobilisé ses troupes pour nous empêcher de marcher à Alger. La seconde fois, pour berner une partie des nôtres, il nous appelle à partir de Sétif. En politique, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que nous, vous êtes des régionalistes. Il aurait pu nous appeler à partir d'Alger. Il n'a pas choisi la date du 20 août au hasard. La date du 20 août, c'est quelque chose d'important. C'est le congrès d'Assouma. Mais le 20 août 1955, le fameux soulèvement de Constantine. Il l'a fait à partir de la limite de la wilaya 3 et la wilaya 2. Tout ceci a un caractère important en politique. Qu'est-ce qu'il nous a dit à Blaise Bouteflika? Le 20 août 2003, à Sétif. Il n'y a pas de matrice à l'arrache. Il y a pour l'application des revendications contenues de la plateforme Al-Aqsa, qui sont légitimes, entre guillemets. Mais, il a ajouté un mais, il n'est qu'ils doivent supprimer tous les points contenu dans la plateforme de l'Aqsa, qui porterait atteinte à l'unité éternelle du peuple algérien. Ça n'existe pas dans la plateforme de l'Aqsa. Je suis désolé, la plateforme de l'Aqsa n'a jamais évoqué ni l'indépendance, ni l'autonomie, ni l'indépendance de la Kabylie, ni la régionalisation, ni Ni comment rien. dirais-je, le fédéralisme. Au contraire, beaucoup de délégués refusaient ces options. Donc ce n'est que dans l'esprit de Bouteflika. Et s'il a dit comme ça, je ne pense pas qu'il a dit au hasard, parce que Bouteflika est très... Je ne le qualifierais pas d'intelligent, mais je le qualifierais de très vicieux. Il a dit ça, c'est pour empêcher justement que le dialogue progresse, pour que cette plateforme ne voit, l'application de cette plateforme ne voit jamais le jour. Et donc on a tenu un conclave à mi-jour, juste après le 20 août 2003. Et c'est là que personnellement j'ai dit, tant que le président ne lève pas les amalgames de son discours du 20 août à Sétif, tout dialogue revêtrait une tenue de, comment on appelle ça, pour moi c'est une reddition, c'est une capitulation, voilà. On ne peut pas dialoguer sur les bases de ce discours. Et c'est comme cela donc que il y a eu la fissure dans le mouvement. Et... Oui. Après le titre de conclave, il y a un mzizou, après Non, neuf à contraire. amcharas, Hein? parallèle, non? J'ai parlé tout à l'heure de code d'honneur et de principe directeur du mouvement. J'ai dit, c'est pas moi qui le dis, c'est les écrits qui ont été faits d'une façon commune. Le mouvement est dirigé par une présidence tournante. Cette présidence tournante est composée de trois coordinations. C'est l'exercice,
l'entrante et la sortante. Au moment où le dialogue s'est posé, le 22 mai 2002, suite au fameux discours d'Ahmed Yahya, entre parenthèses, il faudra rappeler quelque chose. Ahmed Yahya a fait son discours à la télévision, parallèlement à celui qu'il a fait à la PIA. À la télévision, il a parlé en langue kabyle, parce qu'il maîtrise bien le kabyle. Mais si nous connaissons les textes, ce n'est pas à nous qu'il a parlé. Il n'a pas parlé aux délégués. Il a parlé à nos vieux et à nos vieilles, surtout nos vieux, qui siégeaient dans nos fameuses assemblées de village, qui commencent malheureusement à chaque fois, la récréation là, et on tourne autour du pont. Ça fait 14 siècles que ça dure. C'est vrai, ces villages ont leur côté positif, mais ils ont leur côté négatif aussi. Pour moi, ils sont un obstacle à la mise en place d'un État kabyle. Donc, il s'est adressé à nos vieux. Mais ils ont recoupé le dialogue, et là, j'ai dit, moi, je ne sais pas. Tu vois un petit peu. Il est vicieux, il nous a tendu un grand piège. Il fallait désamorcer cette espèce de bombardement. Donc, la présidence en exercice à l'époque, c'était Matka, Michelet, Amsras. Amsras, si tu veux, Iwari, parce que quelqu'un est courant. On ne voulait pas à ce Iwari pour des raisons d'ordre stratégique. Et la fin de l'exercice, de la présidence en exercice qui était Michelet, était proche. Donc c'est Mestras qui était en exercice. Mestras en exercice, Matka sortante, Tizi Ouzou rentrante. Or, Tizi Ouzou, au vu des documents du mouvement, n'a pas le droit d'appeler à un conclave. Ils n'ont pas le droit d'appeler un conclave. Donc, à la veille du 1er novembre 2003, comme nous avons l'habitude de fêter les événements historiques pour empêcher les officiels d'Alger de venir se recueillir sur les monuments historiques de la Kabylie, en l'occurrence Sirili Moulin, que tu connais, tu es de la région, Sirili Moulin, Erzram Koran, et un petit peu Yahya Moussa, la maison de Karim El Qassr. Donc, on a appelé un conclave qui devait se tenir, je sais pas la date, le 29, le 30 novembre. 2003. Et 2003. Et Tizi Ouzou, qui n'était qu'une coordination entrante, ils n'ont pas le droit au vu des documents. D'ailleurs, j'ai dit dans une interview à un journaliste avec Tizi Ouzou, quand on ne respecte pas les décisions prises, on détermine un mouvement. Hein? Et là, quand on prend une décision, on l'appelle. Il faut pas qu'on fasse comme le régime algérien qui est un monde des lois le matin et limité l'après-midi. Alors, Tizi Ouzou a appelé un conclave à Mzizou. Normalement, des slogans sont classe. Et voilà comment ça s'est passé. Nous, à Mestras, nous avons étudié le problème du dialogue, nous l'avons refusé. Ils devaient nous suivre. Ils ne nous ont pas suivis. Malheureusement, par la suite, ils ont été aidés par un certain nombre de mouvements politiques qui n'attendaient que ça pour détériorer le mouvement afin qu'il continue à siéger dans les assemblées, parce que ce qui les intéressait, c'est les sons qu'il a racontés à travers ici un député algérien. Il touche dans les 30 millions, les 40 millions, et puis il y a des il a une retraite d'or assuré. Alors, c'était une occasion inespérée pour pas mal de partis de sens démocratique de nous achever. Voilà comment. Hein? Si tu faisais partie des non-dialoguistes, donc on a le dialogue oral et l'affaire Leloko. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Je vais en parler. D'accord, Mais je te ok. remercie. Je vais en parler. Et je te remercie de me poser la question. D'accord, très bien, vas-y. Parce que
Parce que pas plus loin que dernièrement, il y a eu une espèce de polémique contre moi et Hadash Hassan, et il m'a accusé d'avoir spéculé sur le dos des Kabyles et d'avoir construit des mosquées locaux, que moi j'ai pris de l'argent, rien d'Amérique, après une partie de ces locaux, etc. C'est sur encore sur sa page Facebook. Tout ceci était suite à sa fameuse lettre à Ali Belhadj. Je suis désolé d'évoquer le nom de Hadash Hassan, mais c'est lui qui a soulevé ce problème et peut-être qu'il a bien fait de soulever parce qu'il faudrait un jour le rendre public. Ce problème de locaux déjeuner qui sont en face de l'hôpital Tizouzou. Dans le langage populaire, ça c'est la sécurité militaire aidée c'est pas les locaux. À savoir que les Tunisiens venaient à briquer les locaux. Tout ceci, je ne dirais pas ces fois 100% parce qu'il y a comme une vérité. Mais il y a du faux dedans. Rien, je n'ai aucune preuve pour les locaux. Alors, comment ce problème de locaux s'est posé? Moi, je fais partie des non-dialoguistes. J'ai refusé de dialoguer avec le pouvoir algérien. Il y avait les élections présidentielles de 2004 qui s'approchaient. Tout le dialogue tournait autour de ces élections. Il fallait que la cabinet participe aux élections, tout en sachant que les Kabyles ne voteraient pas pour le candidat du pouvoir. Donc, la Kabylie voterait pour un Kabyle. Donc, il faut que la Kabylie participe aux élections d'une façon indirecte. Et comme ils savent que nous allons appeler au rejet des élections, il fallait créer un incident lors du dialogue au niveau de. Je vais revenir au problème de locaux. Mais il faudrait que je raconte d'abord cela pour que ça soit compréhensible, les locaux. D'accord? Ah, ok. Alors, ils avaient besoin de la participation de la cabine. C'est très compliqué. Alors, même pendant le dialogue, j'ai des documents ici, hein, signés par les 24 participants du côté d'Arrache et d'Hamouri en tant que chef du gouvernement. Ils ont créé un incident. Comment? Amr Yahya a parlé le premier en arabe et l'a expliqué en kabyle. Le président de la délégation, entre guillemets, des délégués à Arrache, a parlé aussi en kabyle et en arabe, en kabyle et en français. Comme il fallait rendre le mouvement national. Ils ont ramené avec eux quelqu'un de Batna, un nommé Achoura, c'est un jeune. Comme il ne parlait pas bien kabyle ni le français, il voulait prendre la parole pour dire qu'il représente les oranges. Allô? هو اتسلا اتسلا الو اتسلا 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 وازي انت قد ورش حمزه يحيى اني سامش كيفاني يركز بين لي زوراج قلت لي ريبريزونت دونك اي ان انسيدون دون سو سونس ان اوتر انسيدون روفي دو ديالوغ سور لا تم جاك لونغ في لونغ ناسيونال اوفيسيال لا ديليغاسيون دو وارد ارتمورف جي دي دوكيومون دا كيما اي سا سي سون كات سي هذا حبيبي السي هذا داوود خاطر انا كل انسان Mais ils ont appelé au refus des élections. Parce qu'ils savent que la Kabylie ne votera pas. Nous connaissons les mondiales russes, nous avons appelé au refus des élections. Mais hélas, le président du RCD, Saïd Saadi, était candidat en 2004. L'objectif de ça, c'est que les élections passent. J'ai été interviewé par un journaliste Ben Chabal du FFS, l'expansion à Tizi Ouzou, et Mouhaïra fait tout comme les élections. Parce que si on participe aux élections,
Nous allons élire un Abdelaziz premier. Et ça n'a pas loupé. Donc voilà en gros. Et quand Bouteflika a été élu, que le dialogue a repris, il avait entamé sa politique de réconciliation nationale. Et la région du Nord, nous avons appelé un conclave ici aux Ouadias, les délégués non dialoguistes. On avait conclu à appeler tous les mouvements, tous les partis politiques pour qu'on se réunisse. C'est apparu dans le journal, j'ai encore ici la copie du journal, pour que la Kabylie refuse Élection, 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 non? l'élection pour la concorde civile, La réconciliation, la réconciliation, la la réconciliation. réconciliation nationale. Ouais. Eh bien, j'étais, quand moi, j'étais menacé. Ça s'appelait un ordre qui est mort. Juste la directrice ne pas empêcher de faire ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on a voulu rejeter cette réconciliation nationale. Eh bien, c'est comme cela, c'est dans ce cadre que ces locaux de Tizi Ouzou sont tombés comme un cheveu dans la soupe. Ah, mais. Le régime algérien, la police politique, et tant qu'il existe, le problème algérien ne sera jamais réglé. Cette police politique doit disparaître. Tant qu'elle est là, rien ne bougera. Rien alors, excepté si on réussit à arracher l'indépendance de la Kabylie. Mais en dehors de la Kabylie, cette police politique sème la pagaille par la persuasion, par la force, par la. Comment on appelle ça? La corruption. Donc, après tous ces événements, moi j'étais, je t'avais dit tout à l'heure que j'étais à Lyon en 2002. Arrivé en Kabylie, j'avais des problèmes, je m'étais lancé à travailler à mon compte. Donc j'ai créé une petite entreprise. En 99, j'avais des problèmes de santé, j'ai laissé tomber, j'ai rendu mon registre de commerce, etc. Mes enfants ont repris, notamment l'aîné d'Emilia. Ils ont repris le travail et continué à bosser, etc. Et un soir, mon fils vient me voir, il me dit, voilà, je viens d'être contacté par la Oulette Youssou pour construire des locaux, mais il a qu'à une fac. Et c'était dans le cadre de ce principe de réconciliation nationale. Il fallait que Bouteflika les inaugure. J'ai regardé dans les yeux correctement mon fils, il a dit non, tu n'iras pas les conserver ces locaux. Et il n'a qu'à me dire, va, c'est l'année sortie, ceci, ceci, cela, et regarde, c'est mon fils qui les a conservés. Moi, je n'ai jamais mis les pieds dans ces locaux. Celui qui gérait ces locaux, c'est un officier du DRS, parce que je voyais à travers les factures que j'ai réussi à demander à mon fils pour les voir. L'essentiel qu'il soit construit par M. Hachi, pour qu'on spécule sur le double, nous aussi sur le. Je suis désolé, j'affirme en plein public que c'est mon fils qui les a construits. C'est la sécurité militaire algérienne qui l'a soudoyé. Je ne pouvais rien faire sur mon fils. Mais moi, je Hachette, n'ai jamais. Adamoua, Oui, pardon. Adamoua, Oui. ça m'étonne pas, Oui. ça m'étonne pas. Tu sais, n'y déjà des émissions, il y a des Wiyad, le régime, le DRS, la police politique qui se relaisse. Ils connaissent l'intelligence, ils connaissent les coups bas, ils connaissent les Kabayel. De la gestion de Timothée, les Algériens, c'est l'Afrique du Sud. On t'aura l'indépendance, on t'aura. أثناء تمخل كان في الدوين أم في أثنوان سوان في أغزان ذكي تأذى وذنا نذميك
Et tu as dit que l'arrache, ça n'est pas un problème, ou tu ne vois pas, tu ne sais pas, tu as la confiance, tu vois qui est le rôle. Eh bien, exclusivité TQ5, c'est un acte d'amour, mais tu as un acte d'amour, les locaux qui sont mis en place. Donc, avec ça, tu as dit les choses, et bien, tu auras chacun sa conclusion, puis émanise. Qui me l'a volé là-dedans? Alors, si tu permets, Rachid, j'affirme et j'informe le peuple Tchabi, je dis bien le peuple Tchabi, que ces locaux étaient une supercherie gérée par un officier du DRS. Je suppose qu'il vient de sortir de prison récemment. Et l'objectif, c'est pour me salir parce que j'étais déjà dans le match, hein? Mais l'objectif d'un seul mouvement citoyen, Ferenc Yiltz. Mais quand même. Et je peux affirmer encore autre chose. Que Vérien Abrika n'a pris aucun local. Sauf que la spéculation passe en terrain, dans les cafés, dans les mosquées. Les mots d'ordre sortent depuis les mosquées. Ce sont les deux lieux où la sécurité militaire rentre. Les slogans sont tels que le mot de Chan, Chan sur l'indépendance, il faut que tu jamais, il faut que tu verras. Il a que le carrément seul, fier à l'heure de se faire un bâtiment, jamais un tu verras. Khatra, je ne suis pas contre les gens. C'est les extrémités, c'est Oui, la bousculade, c'est mais activer. c'est dans ces lieux nauséabonds qu'ils jettent leurs slogans. Donc, j'affirme que ces locaux ont été construits par mon fils. Et la preuve, pour démontrer qu'il s'agit d'une spéculation pour me salir, j'affirme que ces locaux ont été construits à un prix qui dépasse leur prix. Ça, je l'affirme. Mon fils a pris cet argent, je l'affirme. J'affirme encore que moi, en tant que technicien supérieur en bâtiment, je n'ai jamais mis les pieds dans ce chantier. J'ai dit à mon fils, j'ai dit, si tu te casses la gueule là-bas, ne m'appelle pas. J'affirme encore une troisième chose, qu'Abrika, avec lequel j'ai aucun problème, excepté celui du dialogue, il n'a pas pris de locaux aujourd'hui. C'est une spéculation qui se fait pour que les cabines ne nous suivent pas. Mais on dit qu'on a un peu de temps, malheureusement, c'est du Machiavel. Ils ont été à l'école du Machiavel. Alors, Mao, c'est un mouvement, quand il infiltre, il ne frappe pas les petits militants, il cherche les têtes. Comme ça qu'il prend. J'ai un tiers qui a fait le mouvement citoyen, un tiers qui a fait le MAC en 2016, c'est la même chose. Il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. Même le MAC qui a fait le même. Après, c'est un tiers qui a fait le même. Nous sommes là-dedans, une tradition. Maintenant, je m'attends à la guerre de lorsque les responsables de du coup, اللي غاشي يركل هذا ما نسمعش كنت مزور الوفق مي لورسك لي ديريجون دو فيلاج سو شتا ما يونطرو لي فيلاجوا تفونيو ني ولا تشفو القبائل اون كي زون بسيرف كو لي ديريجون نو سون با يوني يا با ديونيون اي نو مارشون با لا سول اونيك سوليسيون بور لا كابي سا بلونج دو سالو C'est l'union. Et cette union, le régime cherchera par tous les moyens possibles et imaginables de la casser. Mais ils ont essayé par tous les moyens. Si la police combien de fois, peut-être. Le 17 juillet 2002, pardon, 17 juillet 2004, je partais des joies bien pour assister à la première ouverture de l'université d'été du match de Zofoum. Arrivé à Azazga, je me fais apostropher par le maire de Boujdia.
Et je m'étais disputé avec lui, l'accusant d'usurpateur de fonction, d'individu. D'ailleurs, ils ont fini tous par sortir. Hein? C'est ce que je reproche à M. Ahmed. Parce que, voilà, tu m'excuseras, tu vas me dire que je viens de sortir du coca là. Donc, j'ai failli me retrouver en prison, j'ai passé un dernier salaire de gaz au goulot par cause de sommaire. Je remercie. Et je profite de l'occasion pour le saluer, pour saluer Maître Had Arab, qui avait payé ma défense, sans prendre aucun centime. Mais il a de moi, il est délégué à l'arrache, je ne le défends pas pour de l'argent. Et Tsatsanagic, j'avais refusé de parler en arabe au tribunal d'Azazga. Les délégués, les Nérons Hadran, les Hussein Hassem étaient présents, les Mahamra étaient présents et d'autres. Hein? Sans compter combien d'arrestations j'avais subies, sans compter ce qui m'est arrivé en 2005, etc. Donc, le pouvoir algérien, il a dit, tiens, ça va. Ben, chacun nous fait du courage, on peut le faire. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à répondre objectivement à ce problème. C'est une Hein? méthode de mots, c'est une méthode, j'admire beaucoup ta sincérité. Athan Wethi, tu vois l'INTQ5, et Oumzrouille, l'exclusivité TQ5, Demwa, Tinayaoun Belling, j'assume, Zemir, mais c'est un homme d'affaires. Donc, c'est une entreprise de chantier, d'entreprise de quelqu'un, viennent les locaux, les chemins, les bâtiments. Et je décide les services, et le contrat, se rendre à Dreamen, à ce qu'il y a 47 de moins de yoga, ma chère, de mes sous ma et fait, ma chère, ou la cadre d'un le piège n'est de moi, il y a rien, n'a rien, ma chère, comme coulé ou sur liste, de moi, c'est qu'il y a j'assume, de mes maintenant, n'écoute ce qu'il y a, c'est qu'il y a un DNA, c'est-à-dire dans l'article 19, Belé, à quand ils demandent à 40, quand ils piètent en zone, la confiance guère en ordre, qu'est-ce que nous soit, quitte de la vente, derrière nord, son tourage nord, soit de matin nord, c'est quitte sa filette en scène. Et au Mizrouille, on déclare deux mois, de mérite venant les locaux nés, ne t'y avait pas qu'il y a qu'un daron, il confirme, rassurément, guère en indiqué, Abrika, c'est pas, c'est un dialoguiste, de moi, c'est pas un dialoguiste, et qui car Abrika, ou Ribouya, à l'éloquonier, à tenir, c'est distance, il me coulait, on dit, on, à des mots, un petit cas, il y a un seul taquin. Tu vois, à des mois, à la main droite, c'est qu'il faut qu'un seul, à des mois, à zèle, ça, ou à chérine, tréquin, c'est qu'il faut qu'un seul, à gagner, qui est d'achour, 12 ans, tu m'as l'arveillé. Ok, il va te dire, d'achour, un petit seul, 12 ans, tu m'as l'arveillé. Est-ce que tu vois l'Occident cherche l'indépendance à tous les gens? Dans le Niger, nous n'avons pas d'autres alternatives. Ou on devient indépendant, ou on va disparaître. Maintenant, cette indépendance, ça n'empêcherait pas par la suite d'être solidaire avec les autres régions. Mais là, les autres peuples d'Algérie, même d'Afrique du Nord, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas aller vers une union nord-africaine. Les unions. Ça n'empêcherait pas l'État kabyle de s'unir avec d'autres, mais sur la base de ses intérêts suprêmes. Ouais, il y a des conditions. Madame Doukouyara, on n'arrivera nulle part. Je ne connais pas de pays qui ont acquis leur indépendance dans la désunion. Si on n'est pas unis, alors tu nous chaînes. La seule planche de salut pour nous, d'ailleurs, avec certains militants, nous avons fait un appel le 8 juin dernier à une alliance entre Kabyle. Au lieu d'union, tu vois l'alliance. Les points qui peuvent nous unir, nous allons les garder. Les points sur lesquels on serait en désaccord, on va les mettre de côté. Mais on peut trouver une alliance. Il n'y a qu'à regarder. Il y a un livre de en France, il y a eu 250 000 morts. Il n'y a rien. On touche du bois comme dit l'autre.
المخلف الجوهري، أموان nous sommes atteints du syndrome de colonisé. Et ça ne relève pas de mon domaine, ça relève de la psychiatrie. تنمية الدمو المرتش. أثني هي أكيد نساء أثني جيت كي دي بوين دي بوغاك ذا دم وح موح هاشيم سي نفس تقارني وضعيا يعني لان ديليجي لاروش لاطونوسني نون ديالوجيست سلام يكون الحال ومازال ناوي خينا كي نظن لي ديليغي نظن وكذي درن تزياني نتفتو ثباكات تسيان غين او نديني قيمات ذي ثلويت